c'est là. Bon, aujourd'hui, 24 mai 2013, nous avons finalement réussi à envoyer à Valentina Hanna. Alors, nous avons réussi finalement à envoyer Hanna à l'école sans aucun souci, et elle a pu rejoindre alors un nouveau groupe de camarades. Mais on vient tout juste de l'apprendre et elle est très contente. Et sa maîtresse aussi m'a dit que bon, voilà, un processus d'adaptation d'un jour apparemment, et on verra, bon, on recommence lundi. On essaye de mettre en place tous les nécessaires pour qu'elle se sente bien, comme s'il n'avait pas arrêté pendant un mois. Ça fait un mois que la cour nous a donné l'ordre d'arrêter, la Cour suprême, non, d'arrêter d'envoyer notre fille à l'école, qui est une décision 100% contestable. Et je remercie à tout le monde qui a été
intéressé à notre démarche, qui nous a encouragé à Alkis, qui a été tout le temps là et en train de nous s'expliquer, ben voilà pourquoi vous ne faites pas ça et ça. Et lui, il a toujours essayé de comprendre notre situation. Et il y a aussi des autres médias, des autres personnes qui nous voulons vraiment remercier, spécialement Reza Utim qui a mené cette situation d'une façon très professionnelle, comme un député des circonscriptions, sans prendre en compte de quel parti politique nous sommes, etc., sans trop se soucier non plus de sa situation politique, de l'opposition. Donc, vraiment, quelqu'un qui a fait le nécessaire pour mettre en place et des actions en faveur du citoyen. Chose qui ne s'est pas passée avec les autres deux députés, malheureusement, députés du gouvernement, ça veut dire des gens qui sont au pouvoir, et complètement absentes, même pas un mot pour dire ce que vous faites est intéressant, est réprochable, etc. Non, rien, comme si nous, on n'était pas dans leur circonscription, comme si on n'avait rien d'intéressant à leur proposer. Bon, et finalement, le ministre, même s'il a pris la décision très tardivement, parce qu'après 5 mois, ben bon, elle aurait pu aller à l'école tranquillement, parce que c'était juste sa décision qui comptait. Mais quand même, nous le remercions parce qu'après 5 mois, on a pu faire que notre fille joigne l'école en toute conformité avec les réglementations à un jour. Okay.